Au début, ça ressemble beaucoup à une galerie. Tout dépend de la porte que l'on ouvre. L'une sera le terrier d'un lapin, l'autre un musée. Tout dépend de la porte que l'on ouvre. Le sujet la perçoit, la parcourt et l'expérimente. Pourtant, quand il s'y trouve, il n'a aucun moyen de la modeler et de la rendre réellement sienne. C'est mon rôle de guider celui qui m'a ouvert et de lui donner la forme. Comme l'a dit Maurice Pialla, un acteur, on peut lui faire faire n'importe quoi. Alors, automatiquement, on a une idée de mépris. Un film est l'expression d'une vision unique. Je peux l'habiller de petites dalles blanches, de grandes affiches superposées, ou encore d'une foule piétinante, grouillante, qui écrase tout sur son passage. C'est ce moment précis qui marque à vie le voyageur, qui fait sortir hors de lui, accélère son rythme cardiaque, lui donne des vertiges, des suffocations, jusqu'à la chute. Ça, chute.